Komondo est une ONG de la coopération internationale qui agit avec une méthode particulière, l'échange de personnes. Les coopérants et les coopérantes sont porteuses de compétences, d'un bagage professionnel qu'elles vont mettre à disposition des organisations partenaires. C'est un regard différent qu'elles apportent aussi sur des réalités et des problématiques. Donc, ensemble, coopérants, organisations partenaires vont développer des nouveaux instruments de travail, des concepts, des stratégies. Je m'appelle Sacha Chillier, je suis enseignant de formation et ça fait bientôt une année que je travaille à Lusaka, en Zambie, avec l'ONG Expanded Church Response. Je m'appelle Laura Flores, j'habite à Neuchâtel. Je suis arrivée en Suisse, donc ça fait 7 ans, pour faire d'abord une recherche mandatée par l'Université nationale. Et puis ensuite, j'ai commencé des études, j'ai fait aussi des expériences de travail. On soutient principalement les personnes atteintes du VIH, notamment les orphelins et les enfants. Et l'organisation et avec laquelle j'ai travaillé donc sur une année, s'appelle Fundes Codes, une organisation de base communautaire qui a été très touchée par la violence, une organisation qui a beaucoup lutté et pour les droits de l'habitat, d'avoir une habitation et puis un bien-être et une maison pour vivre. Je travaille avec 5 écoles communautaires. C'est des écoles avec extrêmement peu de moyens, des salles de classe qui sont très simples, des chaises, des bancs, des bureaux, un tableau noir, très peu de livres à disposition, voire pas du tout. Et aussi au niveau de l'informatique, il y a peu d'ordinateurs fonctionnels dans les écoles. Le but, c'est d'améliorer leur capacité dans l'utilisation des outils informatiques et leurs compétences en enseignement en général. J'avais trois tâches principales et une, c'était l'accompagnement des femmes de la chapelle de la mémoire dans la défense de ses droits en tant que victime de disparitions forcées. Je faisais aussi la supervision des recherches liées à l'évaluation des impacts dans les territoires environnementaux, spirituels, sociaux du conflit armé. Et puis, je faisais aussi un travail des porte-voix de l'organisation au sein des plateformes plus larges. Mais très évidemment, je continue engagée avec la Colombie pour assurer la participation des organisations des bases locales, communautaires, dans l'implémentation des accords de paix en Colombie. Tous ensemble, Komondo, les coopérants, les organisations partenaires, nous avons un même but, contribuer à l'amélioration des conditions de vie de populations en situation de vulnérabilité, discriminées, marginalisées. Et nous œuvrons pour plus de paix, de démocratie, le respect des droits humains, la santé, l'environnement, la formation, des revenus dignes.